qu'a-t-il fait? Ce merveilleux bébé que Ewo chercha à tuer, un vrai messie qu'on aurait dû flatter, qui n'a pourtant reçu que le mépris. Quelle déception! Un si grand leader qui dirige les hommes vers la lumière, mais considéré comme vulgaire, quelle bête réaction! Le plus grand moraliste que le monde ait connu, considéré pourtant comme un paria. Quel acte triste! Un honorable libérateur que les hommes n'ont point reçu dans leur absurde orgueil. Quel refus! A-t-il une chose? Une bête? Un esclave? Et pourquoi Judas l'a-t-il vendu au prix de 30 000 pièces d'argent? Quelle insulte! Écoutez! On l'accuse injustement. Oh mon Dieu, on le maltraite. On l'injure. Regarde-moi ça. Les bourreaux le traitent comme un voleur. Un assassin. Un indigent. Mon cœur pleure. Qu'a-t-il fait? Le voilà puni devant Pilate. Quelle ingratitude! On le condamne à mort. On le crucifie. Quelle souffrance! On lui tend du vinaigre en guise d'eau. Quelle amertume! Il commence à perdre son souffle. Quel désespoir! Oh, quelle perte! Il est passé de vie à trépas. Laisse-moi pleurer. Le coup est dur. Laisse-moi pleurer. Mais non, tu dois te consoler, car il vaincra la mort. Il vaincra la mort? Il vaincra la mort. Ah, quel réconfort! Le voilà, il est ressuscité. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus est vainqueur. Quel triomphe! Quelle allégresse! Oh, quelle victoire! Alléluia! Alléluia! Il est ressuscité d'éternité en éternité. Il règne. Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité.